Troisième jour de Monteria sur cette semaine exceptionnelle, avec toujours ce temps exceptionnel. Il fait un peu plus froid là, nous sommes un tout petit peu plus au sud, toujours dans la Sierra Morena, mais un peu plus au sud. Mais nous sommes vraiment au milieu de nulle part. On a mis quasiment une heure de piste pour venir ici, sur cette propriété sublime. Nous avons déjà vu beaucoup d'animaux en arrivant. On est reparti pour 2 jours ici. C'est une propriété qui fait à peu près 2000 hectares, qui est collée à un parc national. Quelques mots un petit peu sur la façon dont ils chassent. En Monteria, on lâche beaucoup de chiens. Hier, il a été lâché à peu près 200 chiens. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais je pense au moins autant. C'est des chiens qui chassent en meute. Mais dans la meute, il y a plusieurs sortes de chiens, exactement comme on peut avoir, nous, des rapprocheurs, des pisteurs ou des courants purs. Et là, ils lâchent tous les chiens. Certains chiens chassent eux-mêmes. On ne les voit pas de la journée, ils reviennent juste à la fin. Et d'autres se regroupent autour du rabatteur principal, du maître, et ils relancent ce qu'il y a dans leur périmètre ou alors ce qu'ils voient passer pour accélérer les animaux. Cependant, sachez quand même que les animaux ici ne sont chassés qu'une fois par an, une seule fois. On n'a pas le droit, par la loi espagnole, de faire plusieurs battues au même endroit en grand gibier. Et la plupart des propriétés, parfois, laissent passer 1 ou 2 années sans chasser, de temps en temps, pour faire vieillir la population et avoir de plus grands trophées. Donc la pression est minimale. Et aujourd'hui, on nous a annoncé, on a vu des traces de sangliers, on nous a annoncé qu'il y aurait pas mal de sangliers, il y en a eu 22 de tués hier. Mais probablement on ne les verra pas demain, car une fois qu'ils entendent les chasseurs tout autour de la propriété, ils s'en vont et ils essaient de se pousser le plus loin possible. Notamment ils vont vers le parc national où ils ne sont jamais chassés puisque c'est un parc qui est évidemment protégé. Voilà, donc espérons que cette journée va encore nous amener de superbes images. A tout à l'heure.
210. Ça aurait quedado bonito. Que se habrá quedado ahí. Laquelle? Muerta. Ya, ya, muerta. 200. Metros. 100 metros. 200. Sí, mesurar. Tu santo tri zero. J'ai eu un coup de doigt. Si j'ai ça, c'est extraordinaire. Aïta! Le bon qu'il a fait. Ciervo. Attention. On a pris la première balle. Qu'est-ce que c'est qui allait là-bas là? Dès qu'il y a quelque chose qui va être là, je vais me précipiter sur cet arbre, je vais me mettre sur le cul et je tire comme ça. Le
passage, il va un peu en bas. Là, tu as 150 mètres. Là. Ouais, 157. Está muerto, ¿eh? I try to know to take a good one. Sí, sí. J'ai essayé de voir les trophées. Mm. J'ai pris le dernier. Les autres étaient trop serrés. El perro está amarrando. ¿Está amarrando? El cochino. Ah, cochino, está amarrando. Donde ladra el perro ya. ¡Ya! Un problema. ¿Qué pasa? Es un problema. Wait. Es mi. I will take that off. J'aurais pu faire là, faire une denne, une denne, on va tirer. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est la balle qui s'est enrayée en fait? Oui. Non mais c'est de ma faute parce qu'il y avait déjà une balle dedans puis j'ai voulu en mettre une autre. Bon. C'est...
La précipitation. Moi, j'aime bien tirer une balle, après je recharge. Là, j'ai voulu aller vite et c'est une erreur. Petit, hein. Donnez quoi. Mmh.